Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Martin. Salut. Salut, je m'appelle Martin, j'ai 11 ans, j'espère que tout le monde va bien. Et bah oui, on espère que tout le monde va super bien. Et aujourd'hui on va manger des bonbons, plein de bonbons. Et ça s'appelle, c'est une petite box qui s'appelle Crotta Box, c'est la première fois que je la reçois. Et du coup ils m'ont dit voilà si j'avais envie de manger des bonbons, j'ai dit forcément oui. Mais du coup j'ai pensé à mon petit voisin qui je pense aime bien les bonbons aussi. C'est toujours plus sympa de partager des bonbons à plusieurs. Il y a pas mal de choses, il y a des petits confettis dedans là. Wouh! Qu'est-ce qui te tente? Les chamallows. Les petits chamallows là, les normaux ou les piquants? Enfin les normaux. Ok, alors on commence par un classique, par des petits chamallows. Et à Saint-Valentin c'est le 14 février, donc c'est possible. Je vais préparer ça pour la Saint-Valentin. Allez, moi je prends un rose. Merci. Merci. Un vrai chamallow. Bon bah ça je valide hein. Ça c'est très très bon. Les chamallows c'est un peu mes bonbons préférés. C'est quoi tes bonbons préférés? Bah je sais pas ce qu'on veut tout. T'en as plusieurs? Ouais. J'aime bien ce qui pique aussi, j'aime bien les langues de chat. Moi aussi j'aime bien ce qui pique. Ouais, donc les langues de chat j'aime bien. Les têtes brûlées je t'avoue que je suis pas fan hein, parce que ça pique vraiment beaucoup. Et les chamallows j'adore ça. On teste les chamallows avec les petits sucres dessus. Oui. Allez, ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent à des petits gâteaux un peu. Ouais. On dirait des petits cupcakes. Allez, je te laisse choisir ton cupcake. Moi je vais prendre celui-là, c'est beau. Ça aussi c'est pas mal. Ouais. Il y a bien le petit sucre dessus, ça croque, c'est très très bon. On va tout manger. Hein. Ouais. À la fin de la vidéo, il n'y a plus de bonbons. Vous avez un petit clin d'œil dans cette box que je viens d'apercevoir. C'est que on vous livre aussi la brosse à dents. Alors une brosse à dents pour deux, c'est un peu compliqué. Mais si voilà, si t'es un ami qui a déjà une brosse à dents et toi t'en as pas, bah voilà, ça fait une brosse à dents cadeau de voyage. Petite brosse à dents bleue qui peut toujours servir. Important de se brosser les dents 3 fois par jour. Alors on continue. Moi je serais par contre pour les petits chocolats là. Vas-y. Regardez-moi ça. Alors ça fait vraiment Saint-Valentin. C'est des Milka avec du praliné et de la nougat crème apparemment. Très très mignon en forme de petit cœur. Et ça me tente bien. Parce que j'adore le chocolat comme ça. Oh. Et la boîte est belle. On voit le petit nom derrière et tout. Alors ouverture facile. Franchement ça va. Bah, je te laisse choisir ton petit chocolat. Bah c'est Milka. C'est bon. C'est bon. Alors après on va avoir des choses qui sont un peu plus dures à goûter. On a cette petite sucette. Ça fait un peu sucette des fêtes foraines. Ah oui. Souvent elles en ont des comme ça, des plus ou moins grosses. Et vous savez, une fois je m'étais fait avoir parce que j'avais une abonnée qui m'en avait fait une qui était tellement ressemblante en fimo que bah j'ai voulu la manger et c'était une fausse. Et du coup j'ai pas pu la manger. Et après j'ai des abonnés, heureusement qu'ils m'en ont envoyé des vrais parce que je me suis bien fait avoir. Du coup celle-là on la met sur le côté. Je la confierai à mon voisin pour qu'il la mange pendant la semaine. Bon, on va peut-être pas goûter les sucettes maintenant parce que généralement quand on commence la sucette on la finit après. Mais les sucettes c'est en dernier. C'est en dernier les sucettes. Mais elle est très mignonne. Encore en forme de cœur. Alors après on a des petites choses comme ça. Ça a l'air d'être un petit peu comme les guimauves de tout à l'heure. Ouais, un petit peu les chamallows tout à l'heure. Mais avec un petit ours, des petits cœurs. Et il y a la même version chocolat. Du coup on en prend une chacune. Tu veux laquelle toi? Plutôt chocolat ou plutôt... Comme t'aimes bien le chocolat, je te laisse. Allez, je prends celle-là. Trop mignon ce petit ours. Encore un petit ours avec des cœurs. J'arrive à l'ouvrir. Mais je vais aller. Trumps. Tu peux le faire. Il a tout cassé. C'est ça quand on n'a pas d'ongles. Ouais. Tu loupes. Allez. J'avoue qu'il est pas simple hein. Faut juste choper le petit morceau là. Tadam. Attendez, on a eu un petit accident là. Tadam. Merci. Bon appétit. Merci. Merci. Petit chocolat au lait des familles. Alors, verdict, c'est comme ceux qu'on a goûté ou c'est un peu différent? Peut-être un peu plus de sucre sur cela. Non, un petit peu différent quand même. Moi, je me coupe la moitié du cœur. Alors, ensuite, pas bien de parler à la bouche pleine. On a des petits sucres d'orge de Noël, de couleurs différentes. Alors je sais pas quoi ils sont, tiens. Merci. Est-ce que tu penses qu'ils ont le même goût ou pas? Bah oui, je pense. Tu penses que c'est que du colorant et que ça a la même... Que le tien est peut-être plus aux fruits rouges et moi à autre chose. On va vous dire ça tout de suite. À la pomme peut-être, non? Ah, peut-être. Soit pomme, soit orange, vert comme ça, je sais pas trop. Ça pourrait être kiwi. Alors dis-moi. Non identifié. Ah, y a pas de goût. C'est bon, mais y a pas de goût. C'est bizarre. Bah je sais pas les gens. Franchement. Moi aussi je vois. Après je suis un petit peu malade donc c'est peut-être le fait que j'ai le nez bouché mais je reconnais ni de l'orange, ni de la menthe, ni... C'est un bâton de sucre quoi. Ouais, je suis incapable de dire. Non, bah je sais pas. Bon bah pour l'instant c'est celui-là que j'aime le moins alors.
C'est vrai que je m'attendais au moins celui-là, je me suis dit s'il y a la cerise ou la fraise, ça peut être super bon, mais là rien. Par contre, là, on a des petites cerises. Tadam ! Ça, ça doit être bon ça. Des Twisty Pops. Bon, bah ça, je pense que c'est la cerise, hein. Ouais. Sinon, on est content d'avoir des dents qui marchent bien pour tout casser. Allez, verdict, cerise ou pas cerise ? Oh, bah oui, la cerise. Ouais. Celle-là est très très bonne, hein. Pour le coup, on a vraiment l'impression d'avoir de la cerise dans la bouche, quoi. Ouais. Trop bon. Par contre, c'est super galère à manger. Genre, tu fais ça, tu prends un côté, l'autre côté, un côté. Oui. Tu te sens un peu handicapé. Faudrait presque être à deux, tu vois. C'est un moment d'amoureux. Comme ça, il y en a un qui mange là, tu restes comme ça. On a beaucoup de sucettes dans cette box. Du coup, c'est pas simple. Ouais, celle-là est vraiment très bonne. Je la garde pour plus tard. Ah bon, je la mets dans un petit coin. Après, on a des classiques, des petits caramels. Ça, je pense que tout le monde connaît, hein. Des petits caramels au beurre salé. On va peut-être les garder pour tes parents. Ouais. Je pense que ta maman, elle va bien aimer ça. On met ça de côté. Je pense que tout le monde connaît, hein. C'est vraiment les petits caramels. Petits caramels tout basiques et tout, mais très très bon. Ah, moi, j'aime pas trop le caramel. Ah, bon, bah, encore. Comme ça, au moins. Comme ça, moi, je te force pas à manger quelque chose que t'aimes pas. Et ensuite, nous avons cette petite pochette qui a l'air pas mal du tout, puisqu'il y a l'air d'avoir des choses qui piquent un peu, des choses avec du sucre dessus et puis des choses un peu plus simples, sans sucre, un peu plus gélatine. Mais là-dedans, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Allons explorer ça de plus près. Alors, lequel tu veux ? Toi, t'as pris une bouche et moi, je vais attraper ce petit cœur. Si je ne dis pas de bêtises, c'est les petits cœurs, vous savez, bigou, qui sont à l'abricot et à la fraise. Monsieur... Et ça, je dirais orange, hein, ou abricot, peut-être, tu vas me dire. C'est super bon. Je vais bien me brosser les dents après. Alors ça quoi? L'abricot. Abricot? Ouais. Ah ouais. Parce que c'est plus rare les bonbons à l'abricot. Mais moi je crois que ouais, c'est ça aussi. Abricot et fraise. Super bon. Très très bon. On en a vraiment plein avec des goûts différents. Ouais. Donc ça, ça va être à déguster aussi pendant la semaine. Et je pense que là, vu tout ce qu'il y a, tu vas avoir ta dose de sucre. Ouais. On pourra même en ramener aux copains parce que là, le temps de tout manger. Et puis après, oh, mais je redécouvre des choses au fond. Je pensais que c'était fini. Il y a des petits cœurs en chocolat. Décidément, non mais c'est obligé là, c'est une box spéciale Saint-Valentin. Là, il y a trop de cœurs dans cette boîte pour que ce soit juste une boîte basique. Encore du caramel. Puis après c'est la fête, hein. Wouhou ! C'est la fête ? Je suis en train d'en mettre partout. Je suis totalement en train d'en mettre partout. Heureusement que c'est assez gros. Parce que j'ai tout ça qui tombe. Et ben alors, qu'est-ce que t'en penses de cette box ? Plutôt pas mal, hein ? Que c'était génial, ouais. Que c'était génial, voilà, ça vient du cœur. En plus j'avais mis mon petit All Love. Je pense que je l'ai très bien choisi pour aujourd'hui. C'était super bon. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de commander une petite box à partager en famille ou à partager avec votre amoureux ou votre amoureuse avec Croque ta box. De toute façon, je vous mettrai tout dans la description. Et puis nous, on vous laisse ici, on va manger plein de bonbons et on se retrouve très vite. Ciao. Salut. Salut.